Alors comme ça on joue en fantôme mec. J'ai pris 4 cafés ce matin, tu veux me challenge? Yop les gars, c'est Bunkill, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo où je vais jouer à la XM4, qui est selon moi la meilleure arme en close range et mid range. Je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. La classe est vraiment bizarre, enfin, du moins elle est constituée bizarrement, mais elle est très très efficace, vous allez voir. Il y aura 2 gameplay avec aujourd'hui et vous allez voir que l'arme est donc super puissante. Tu couples ça à un sniper ou une Amax et vraiment c'est trop trop fort. D'ailleurs les gars, vous l'aurez remarqué, nouveau casque, nouvelles lunettes, nouvelles scènes, nouvelles alertes sur Twitch. D'ailleurs venez sur Twitch les gars, il y a vraiment beaucoup de nouveautés en ce moment. Meilleure qualité, Goal XLR, il y a plein de nouveautés. Et j'ai lancé un petit Twitter qui s'appelle Bunkill TV, lien en description les gars. Il y a une surprise d'ailleurs sur ce Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous en parle à la fin de la vidéo. Et avant de commencer la vidéo en beauté, pensez au petit like s'il vous plaît, pensez-y les gars, il y en a très très peu qui le font. Mais quand vous le faites, en tout cas ça me fait super plaisir, sachez-le. Bref, bonne vidéo. Mais non! Mais non! Putain! J'ai tiré sur le mauvais. Putain, j'avais peut-être 3 kills potentiels là. Bye bye! Faut juste une arme, les refs là pour fight. Je connais Sebi. Sebi Dazi, ouais, je connais Sebi Dazi, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce que c'est que ce Beans, mec? Oh, j'étais archi pas prêt à voir un mec ici. Let's go. C'est dur la solo. Les mecs sont forts en solo. Là le plan les gars c'est ça. On sort. On prend un petit tiro. Il y a pas de tiro dans le coin là. Si. On prend un tiro. Et maintenant que ça c'est fait. Hop, on va là. On est à cet étage là que ça se fight. Hein. Ouais. Shit man. Timing de baiser hein. Ah, je suis trop con. Yes. C'est la première fois que je fais le secret tout seul là. Enfin le secret. Que je fais l'event. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Attendez. J'ai trop faim de kill les mecs, j'achète pas le colis tout de suite. Hein. Je change de position. Ah, je le pisse mal hein. Ok, ah. D'ailleurs, je change, oui, là-bas là. Je joue pas snipe. Alors, comme ça, on joue en fantôme, mec. J'ai pris 4 cafés ce matin. Tu veux me challenge? J'aime pas acheter le hockey de Torres tout à l'heure. Oh, lui là-bas, il. Vas-y, je change, je vais perdre mon temps. Je vais. Bâtard, mais je change, t'entends pas drop là. Qu'est-ce que ça me fait des recon là? Mais attends, mais waouh, il y avait un truc invisible ou quoi là? Ah, le mec s'est déplacé. Ah, il a l'air chiant, je veux le mec là-bas. J'envoie un largage tactique. Besoin de reconnaissance sur ma position. J'ai une cible. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire comme pause le mec ici là? Oh, si je peux prendre 2 kills, c'est le top. Je sais bien que j'avais vu un mec là. Oh. Il a pris full headshot le mec. Hop, on va prendre ça. J'aimerais bien passer un. Attends, il y a toujours l'hélicoptère. Il n'y a pas de shop là. Mais en vrai, ils ont racheté des couronnes en solo il y a 2 jours là. Et franchement, c'est pas si bête hein, quand t'as un mec comme moi de prendre des couronnes. Quand t'es comme lui, vaut mieux éviter hein. Ouais, frère, j'ai même pas envie de jouer lui. Je suis en train de camper des stairs. Sa mère là. Oh, ça m'énerve le shop. Tout est fait pour désavantager les orcs clavier souris sur ce putain de jeu. Même le shop. Tiens, le shop, c'est une épreuve Kovac le bordel. Ça traîne plus le shoot que le jeu. Et on a tiro. Attention. Et alors là. Mais alors là. Mais Harold, Bila, putain. Tout ça touche pas, frère. L'arme est trop forte. Je me tape un mauvais timing, j'ai une bêtise dans la gueule et j'arrive à le fumer. Bon, je serais bien passé au shop avant, mais.
Il joue ce bâtard. Putain, enfoiré. Ok, donc le mec est dans la grande tour là, celui qui campe. A votre avis, je crois qu'il y a les chemins de sirop ou pas? Espèce de petit bâtard. Est-ce que c'est Winnie Wallace machin, le mec que je traque? Non, toujours pas. Y'a un mec qui campe ici en fantôme là. Où le mec que je viens à terre? Invisible bug. Ok, j'ai bien joué, j'ai pris les deux kills. Bon, ça faut que je fasse gaffe, c'est pas mon trophée à moi. Mais ça peut quand même me servir. Cible marquée, à vous. Loader de zéro, frappe à dispersion envoyée. Qu'est-ce qu'il va me faire le mec là-bas là? Il est en fantôme donc je préférais jouer le mec là-bas. Retour à la base pour ravitaillement. J'ai une cible ici. J'y vais. Hello. Alors, hello, je ne fais que passer. Passage. Dispositif de reconnaissance activé. Un drone arrive sur zone. Où est-ce qu'il est, le mec derrière moi? Je bouge. Attention. Ah yes. Retour à la base pour ravitaillement. J'ai tellement mal joué, j'ai un shoot de poney. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Il est au-dessus de moi. Bon bah écoute, mec, tu veux pas jouer? J'ai une cible ici. Tu veux pas jouer, y'en a d'autres qui veulent. 3, 2... 1, hop. Je crois pas pourquoi je touche pas là. Ah, j'ai un shoot de poney avec la XM4 là. Ok, ça va me faire là. Pas de problème. Allez. Il est avec moi les mecs. J'ai peur de la balle de scope across the map là en faisant ça là. Mais frère, mais il est invisible avec son skin de merde là. Si j'ai pas l'alerte maximale là, l'alerte maximale, je le vois pas le mec là. Oh, c'est un truc de ouf ça le jeu hein. Truc de zinzin. Il m'a vu. Ah, fais chier, je vais me prendre des dégâts. Mourir par un scope, je refuse. Allez, dégage, ou couche panier. Je me dirige par là. Quelqu'un arrive, on va avoir une nouvelle zone de sécurité. Oh mon dieu. On va devoir s'affronter les mecs au top là. Ok, bon. Normalement je peux pas me faire backstab. Je comprends pas, il y avait 7 joueurs. Il en reste 7. Les mecs se sont pas tués au top là ou j'ai rêvé? J'ai une cible ici. Je suis nul mais il est encore plus nul lui. Je bouge.
Je lui ai offert le kill, le mec. Il y a une protection ici. Perdez du terrain. Non, oh, pas changé. Trop con, j'ai pas 30 bombes là si j'avais mieux joué sur la fin là. Oh ça c'est nouveau tapis de souris les mecs hein. Je veux dire ça à chaque duel. Oh dangereux toi. S'il a des plaques le mec là-bas là. Oh là là, je suis grotesque avec ce tapis de souris. Et non, tuto Kovac. Alors frérot. Je suis peut-être fort sur Warzone, mais alors sur Kovac, gros, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup de chemin à faire sur Kovac. Par contre, je suis grotesque avec ce tapis de souris là. Si tu win, 10 sub, il part. Ok, l'homme non sub. Putain, j'ai assez. Where are you going, mate? Where are you going, mate? Where the fuck are you going? Allez. Oh, c'est le tapis de souris, les gars, là. C'est le tapis de souris. C'est le tapis de souris, le shoot, là, désolé. C'est vrai, ça, Zonke, c'est vrai, ça. Mardi, c'est ton jour de gloire, normalement. Par contre mes teammates, je sais pas ce qui leur arrive mais ils se font péter la gueule hein. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Hop là. Retour à la base pour ravitailler. Oh le tapis de souris. Le tapis de souris est grotesque, putain de merde. Ah c'est pareil. Eh, j'ai déjà 14 bombes là. Il est où le mec? On va aller sur le rooftop. Il est où? Par contre, c'est décidé, ça prend la XM4 hein, en Wagger sec, le classement au moins. Je prenais la max, mais au final, XM4 c'est bien plus fort là. Oh non, j'ai wipe. On va se concentrer là. Est-ce qu'on pourrait pas faire une 30 bombes première game? Je suis grotesque, bordel. Non! Ok, il y a deux mecs sur le top là. Merde. Et merde. Oh non, c'était sûr le mec dans le parc allait me tuer, c'était sûr. J'en étais sûr qu'il allait me tuer ce fumier là. Putain, il est monté tout en haut. Please, 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 revive me man. Rick Bart, please, 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 please. Rick Bart. Putain. Oh le con. Ah, du coup j'ai loupé la braderie. Il est là ou je rêve le mec là? Non. Il est en haut. Je vais jouer safe les gars, je vais me prendre des plaques avant. J'ai déjà 20 kills. Bon, la 30 ça va être compliqué. C'est que 15 mecs, même s'il y a 30 secondes de respawn. On va la jouer safe. Moi je t'ai vu en l'air. Hop. Ok. Oh putain. Ennemi repéré. Oh là là, je suis putain de grotesque les mecs avec ce tapis de souris. Est-ce que les mecs ont le temps de respawn? Oh là là. No way bro. Please 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 Lano, come, you can res me man. S'il te plaît mon frérot. Ah oh, yes. Come on baby. Oh nice.
Thank you, man. Bon. Y'a un mec dans le phare toujours. Rendez-vous dans la zone de sécurité. Oh non! Are you serious, Rick? Ah, c'est bon, je kill. Dommage, j'aurais pu faire la 30 pour la première game là. Ah, c'est pas fini. Oh, bro. Oh, le tapis de souris. C'est pas possible. J'ai pouvoir d'arrêt constamment, les mecs là. Ah, franchement, là, c'est des bons bottes en face. Hein. Et merde. Vous avez gagné. Par ici, les 10 subs de Zach là. Par ici, le ref. Sachez, les gars, qu'il y a que l'argent qui me motive à jouer. Je suis un putain mercenaire. Très très bon ça. Très très bon. Bah bah bah. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Merci, Zach. Du coup, les gars, pour la classe, vous allez l'équiper de la manière suivante. Alors, c'est bizarre, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de poignée. Mais croyez-moi, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc, Silencieux Agency, vraiment la base. Là, vous mettez le projecteur équipe Tiger. Moi, personnellement, j'aurais pas mis ça, mais c'est une classe qui m'a été conseillée par Zach. Et à la base, qui n'est d'un anglais. Moi, je mets le premier chargeur 45 cartouches. L'anglais qui a conseillé la classe, mettez ça comme chargeur. Il mettait le quatrième, lui. Ensuite, l'appui Raider, c'est la base. Le microflex Dell. Du coup, ça fait que vous allez avoir vraiment beaucoup de facilité à viser, que ce soit à la manette ou au clavier souris. Et donc, ça donne 5 accessoires un peu bizarre. Moi personnellement, j'aurais joué un canon au moins, mais franchement, ça fait énormément de dégâts et c'est ce que je joue depuis quelques jours et c'est trop trop fort. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Pensez au petit like et aux commentaires. Et avant de partir, les gars, rendez-vous sur Twitter qui est en description. J'ai organisé donc un concours en compagnie de Bad Eyes, donc qui est une marque du coup qui produit des t-shirts, des casquettes, etc. Super stylé. Et donc il y a des t-shirts, des casquettes et deux petits packs gamers à gagner. Allez voir ça. Tout se passe en description. Et pensez également les gars à venir me rejoindre sur Twitch, là où je live tous les jours sur Warzone. En ce moment, on est super actif. Il y a un gros tournoi qui arrive, donc on traîne un maximum. Drapeau shooté, cheaté, moi c'est Punkill. J'ai capté ton viseur, tu veux bluff qui? On s'est quitté, tu devrais quitter. Si t'es équipé, tu m'auras presque. J'ai spammé ton écran, j'ai cramé tous tes plans, t'as streamé tout le clan Apex. Oui, je flex, j'ai mon équipe, rien que ça taf, je monétise. Pour mon écurie, un like, t'es mal à tuerie en live. Punkill.